Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de business en ligne et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire ce revenu en investissant seulement 10 euros ou 10 dollars, donc très facilement. Et comme disclaimer, déjà, je ne promets pas d'avoir seulement cette somme, moins ou plus. Donc, ce qui va dépendre, ça serait soit tu passes à l'action ou soit tu ne fais rien. Donc, en ne faisant rien, tu ne pourras avoir aucun résultat. Ceci n'est que juste un petit test que j'ai eu à faire avec cette méthode. Alors, j'ai décidé d'en partager cette chaîne YouTube. Alors ici, je suis sur Digital Store. Donc, 24. Digital Store 24, c'est une marketplace là où les produits allemands sont les plus listés. Ensuite, les produits américains et ensuite les produits français. Donc, si je parle par exemple au niveau des produits, je peux voir que les produits allemands là, il y a plus de 6100 produits, les produits anglais 993 et produits espagnols 34 et produits français 18. Donc, quand je clique par exemple sur les produits français, ça me liste les produits qui sont en fonction de la popularité, mais cela n'est pas le plus important. Le plus important en fait sur internet, c'est générer du trafic. Sans le trafic, alors il n'y a pas de business. Et par exemple, j'utilise par exemple ce raccourci d'URL qui est Cutly. Donc tu peux utiliser Bitly ou toute autre plateforme, cela va dépendre de toi. Ceci simplement c'est pour traquer d'où proviennent mes visiteurs, les clics et tout. Par exemple, en voici une URL que je suis en train de faire la promotion. Donc là, par exemple, tu peux constater que j'ai plus de 3412 clics. Et si je clique, par exemple, au niveau des statistiques, en fait, ça, c'est un produit sur le marché américain que j'ai eu un peu à lancer les tests. Et bon, je vais dire ça cartonne. Mais je ne peux pas te recommander directement d'aller tester le même produit. Donc, à toi, par exemple, de faire toi-même tes propres recherches. Donc, pour cette méthode, ce qu'il va te falloir, c'est simplement trouver un bon produit, avoir du trafic et envoyer simplement du trafic. Donc, c'est aussi simple que cela. Tout le monde peut le faire. Donc, pour avoir, par exemple, ton produit, tu peux te rendre, par exemple, sur Sysmayo au niveau de la marketplace. Tu peux chercher, par exemple, Abondance. Je prends l'exemple. Donc, les produits, par exemple, sur l'abondance sont les produits qui sont les plus vendus sur la marketplace de Sysmayo. Et si tu ne trouves pas, par exemple, les produits les plus vendus, si par exemple, en tapant abondance directement, tu ne trouves pas les produits qui sont les plus vendus, je te recommande directement d'aller à la dernière page. Par exemple, nous avons ce produit donc qui a déjà fait plus de 19 000. Donc, ce que je recommande souvent, c'est d'aller directement au niveau des programmes d'affiliation pour voir les top programmes d'affiliation et retrouver directement un produit qui se vend directement et commencer à faire la promotion de ce produit. Donc, ici, nous sommes sur le marché français. J'ai eu à tester sur le marché américain et ça marche également très bien sur le marché français. Simplement que sur le marché français, il y a un peu plus de réticence au niveau de tout ce qui est paiement en ligne. Donc, je vous préviens directement. Et si vous suivez qu'il y a un peu plus de bruit dans mon micro aujourd'hui ou faire cette vidéo comme ceci pour partager ceci à la volée. Donc, par exemple, nous allons prendre les programmes d'affiliation qui performent sur Sysmayo. Nous pouvons voir que Sysmayo est en haut avec plus de 6 millions d'euros déjà encaissés. Donc, on va rechercher par exemple les programmes. Si nous prenons par exemple Édition Mieux Vivre, bon, MS Publishing, si je prends par exemple MS Publishing, dans MS Publishing, on va rechercher les produits qui sont les plus vendus. Donc, vous pouvez voir que la plupart de ces produits parlent toujours d'abondance, abondance financière, loi de l'attraction, comment attirer de l'argent, un peu des choses comme ça. Donc, tout ce qui est dans la spiritualité, franchement, ça cartonne sur les réseaux. Donc, soit tu peux prendre ton produit à promouvoir directement ici sur Sysmayo ou tu peux aller également sur un TPE. Un TPE, tu vas simplement aller au niveau de catalogue produit et rechercher par exemple ton produit. Si nous prenons toujours Abondance, donc si je recherche Abondance, nous allons un peu voir ce que un TPE va nous lister. Donc nous avons par exemple les produits là, on va vérifier les taux de commission et tout. En fait, une fois que tu as choisi ton produit, je vais prendre un produit au hasard. Donc, une fois que tu as pris ton produit, tu vas cliquer sur promouvoir.
Et au niveau ici, tu vas copier juste l'URL. Donc, ça, c'est la page de vente. Il faut vérifier que la page de vente est bien faite, donc qu'il n'y a pas de lien qui redirige un peu partout. Donc, nous avons la version ici. Si on veut, par exemple, lire la version écrite, transcrite, on peut directement cliquer ici. Ou celui qui veut regarder la vidéo directement va cliquer ici. Donc, une fois que nous avons notre URL, on va se rendre sur ce site qui est PopAd. Donc, PopAd.net, c'est un site pour acheter du trafic en ligne très moins cher. Donc, à noter, il en existe tant. Par exemple, sur mon tableau de bord, vous pouvez voir que j'ai par exemple quelques campagnes en cours. Et si, bon, au niveau de mon solde campagne publicitaire, bon, là, tout y est. Donc, ce que tu auras à faire une fois que tu as pris ton URL, tu vas te rendre ici sur soit Cutly ou Bitly, peu importe, tu vas simplement raccourcir ton URL. Et une fois raccourci, tu vas prendre l'URL de ton produit, donc raccourci. C'est simplement pour faire du tracking, pour savoir d'où proviennent les visiteurs. En fait, est-ce la campagne que tu as achetée vraiment, est-ce le vendeur t'envoie vraiment du bon trafic? Une fois que tu as ton URL, tu vas venir ici, tu vas cliquer sur Créer New Campaign. Donc, au niveau de la campagne, tu vas mettre le nom de la campagne. Nous allons mettre ici Abondance. Nous allons mettre Abondance. OK. Donc, ici, on va entrer notre URL qui est raccourci. Donc, ici, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Comment ajouter l'argent sur PopAd. Donc, sur PopAd, tu peux commencer avec 10 dollars très simplement. Donc, tu peux payer par PayPal ou par carte de crédit. Cela dépend de toi. Donc, une fois que nous avons entré notre URL ici, maintenant, au niveau de la quantité, donc au niveau du rating, ici, c'est la qualité du trafic. Des sites internet sur lesquels tu veux acheter du trafic. Donc, ici, le but ici, quand on parle de pop dans la publicité pop, donc on a les pop under, on a les pop ads, on a tout ce qui est pop. Donc, c'est un peu des publicités qui se présentent un peu sur internet comme un peu du spam. Mais c'est ça que nous allons acheter parce que généralement, c'est très moins cher. Mais l'inconvénient également ici, c'est la conversion. Pour avoir de bonnes conversions, ce n'est pas facile. Donc, d'où le fait où on a énormément de visiteurs, mais très peu de conversions. Mais cela en vaut la peine. Donc, il faut faire cela pour en fait ceux qui vont sortir de toute cette masse qui vont acheter. Alors, donc généralement, plus on va prendre le score faible, on aura un maximum de trafic, mais de très peu qualité. Donc, ce que je recommande, c'est de prendre les trafics qui sont entre à 5 sur 10. Donc, 5, 3, 4, mais si déjà tu veux aller à 10 sur 10, alors la concurrence sera tellement rude et les enchères également vont être rudes, d'où le fait où générer vraiment du trafic avec des sites à déjà 10 sur 10, ça va être compliqué. Donc on a la fréquence d'impression, on peut dire, bon, on aimerait que notre pub s'affiche à un visiteur tous les 5 jours pour que on n'est pas à avoir toujours les mêmes personnes qui visitent notre URL, en fait, qui visitent notre page de vente. Alors ici, on va mettre, par exemple, une fois que notre campagne sera soumise, donc par exemple, ici, on va cliquer sur Créer campagne. Une fois que la campagne sera approuvée, alors on aimerait que la campagne commence directement. Et au niveau du trafic, OK, prime trafic, on va laisser all. Au niveau des référents, référents, donc c'est la référence. On va laisser standard ou si on met blanc, c'est pour dire, bon, si par exemple, avec cette stratégie, vous pouvez par exemple vendre également du trafic sur Internet en faisant comment vous dites à quelqu'un, bon, je vais par exemple te fournir 1000 visiteurs français pour par exemple le prix de 5 euros. Quand on passe, comment il y a des offres comme cela. Donc, les gens, ils vont prendre par exemple 5 euros, ils vont venir ici, ils vont investir 1 euro. Et bon, au niveau de référal, on va mettre blanc pour que la personne en fait chez qui on envoie le trafic, qui ne puisse pas savoir où est-ce qu'on a acheté du trafic. Parce que si c'est déjà où nous avons acheté le trafic, lui également, il va retourner sur la même place et acheter le trafic et il ne passera plus par nous. Donc, avec ce système également, tu peux vendre du trafic sur Internet et gagner de l'argent. Donc, il suffirait simplement de prendre blanc ou random. Bon, random, ça va être pour qu'il y ait un peu plus de lisibilité, parce que si c'est directement blanc, l'acheteur également peut se douter si, bon, on ne lui a pas envoyé du trafic des robots et tout. Donc, à noter, il existe beaucoup de trafic de robots sur Internet.
Mais ce pop art, donc le trafic ici est vraiment purement et typiquement humain. Donc au niveau des ad blocs, on va laisser par exemple all. Donc si on n'aimerait pas, bon, je ferai peut-être une vidéo où je vais expliquer vraiment de A à Z comment acheter du trafic sur pop art. Et aussi maintenant, la qualité du pop-up qu'on aimerait. Pop under, ça va être lorsque quelqu'un, par exemple, visite, prenons l'exemple du Growth Business. Le pop under, c'est que lorsque la personne va vouloir, par exemple, cliquer sur un lien, alors une autre fenêtre indésirée comme cela va s'ouvrir, mais en arrière-plan. Donc, ça, c'est le pop under. Et donc, le pop-up va s'afficher devant. Tap under, donc un nouvel onglet va s'ouvrir. Et tap up, un nouvel onglet va s'ouvrir comme. En face du visiteur, banner floating, donc une bannière va s'afficher. Je simule un peu ce banner flow pour que vous puissiez un peu voir comment ça se présente. Donc, on a 640 par 480. 480 pixels. Ok, si je mets par exemple tester ma publicité, alors sur le site du visiteur, voilà un peu ce qui va s'afficher comme pop-up. Et si la personne clique, donc il pourrait par exemple voir la campagne que nous sommes en train de faire la promotion, donc comme cela. En cliquant lui, ce qu'il fait, c'est que il est redirigé vers notre lien affilié. Donc en visitant cette URL, et c'est par là que nous allons tout tracer. Donc une fois qu'on a choisi, on peut par exemple prendre back button redirection. Si la personne par exemple veut quitter de notre site en cliquant ici pour retourner, alors notre URL va se charger comme cela et il va visiter directement notre site. Au niveau du budget, on va spécifier le budget. Au niveau du country, si par exemple le produit bon, cible la France, on va prendre France. On va prendre France et ensuite on va ajouter ici. On va prendre par exemple Belgique. On va ajouter ici, on va prendre Suisse, Canada, Réunion, Martinique, ainsi de suite. On va cibler tous ces pays et ensuite, on va simplement cliquer sur Créer ad. Et une fois que notre campagne sera approuvée, on va venir au niveau des campagnes ici. On aura toutes nos campagnes, par exemple ces deux-ci. Le budget est épuisé, celui-ci encore en cours. On peut cliquer par exemple comme ceci. Et ici, on pourrait voir. Combien est-ce qu'on a déjà dépensé pour cette campagne et quel est le coût par jour, par exemple, pour aujourd'hui. Voilà déjà ce qui est dépensé, total spend et il n'y a pas de date là. OK, les amis, voilà un peu comment vous pouvez investir simplement 10 dollars et vous faites plus de 200, 300, 400, 500. Tout va dépendre en fonction de tout va dépendre de votre offre, des sites que vous aurez ciblés et la qualité du trafic. C'est un peu ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin d'assistance pour acheter du trafic sur Pop Under ou si vous avez besoin de recommandations ou est-ce que vous allez acheter du trafic de meilleure qualité sur Internet, faites-moi savoir. Je vous donnerai. En fait, la plupart de mes sites où j'achète du trafic, parce qu'il est également à noter que sur Internet, il y a beaucoup de spam, il y a beaucoup de bots, il faut se méfier vraiment de cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous si tel n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce bleu et donnons-nous rendez-vous dans les prochaines vidéos. Merci.